que je réussisse à venir. Du coup, vous étiez tous embarqués sur le navire, alors je crois que Farmiard et Garrok, vous en avez pas le souvenir. De quoi? Vas-y, répète. Garrok et Farmiard, vous avez pas le souvenir d'être montés sur un bateau? Si, si. Moi, sur des bateaux, mais sur des fleuves, jamais la mer. Je me souviens quand on a embarqué, mais je n'ai jamais, à part ça, c'était la première fois que j'embarquais sur un bateau. Voilà, c'est le début. Et du coup, vous êtes monté à bord d'un bateau sous les ordres du capitaine Bartabas. Alors, je ne sais plus si je vous avais dit que c'était un elfe ou pas. Aux autres. Je ne sais plus. J'avoue, je ne sais plus. Je ne uniquement été capitaine. Voilà, donc je vous le dis maintenant, parce que vu que j'ai le détail sous les yeux, et que ça me titille depuis que je l'ai sous les yeux, de me dire si je vous ai dit que c'était un elfe ou pas. Parce que bon, il est quand même assez fier d'avoir ses oreilles pointues. Hein. Et du coup, à bord de ce bateau, il y a un truc qui est assez sympa, c'est qu'il y a la moitié-moitié, c'est-à-dire moitié femme, moitié homme. Jusque là tout se passe bien, bonne parité visuellement, sauf que au bout d'un petit moment où vous avez flotté avec cet équipage, a été remarqué à bord par vos camarades, pendant sans doute que vous avez un petit peu le mal de mer, parce que c'est la première fois que vous naviguez en pleine mer et qu'il y a de la houle en plus. A été remarqué par vos camarades un petit problème où l'une des jeunes femmes du bateau se fait harceler par un autre membre de l'équipage. D'un point de vue comportemental, je dirais que l'autre était vraiment infect avec elle et un petit peu trop insistant. Ce qui fait que vos camarades ont réagi et ont mis la jeune femme du nom de Regilna sous leur protection. Attends, ça c'est sur notre bateau ? Sur oui. Votre bateau. Alors sur notre bateau, il y a un mec. Attends, il y a un mec sous notre bateau qui se comporte comme un gros porc. Voilà. Alors voilà, okay, c'est exactement alors... ça. Dès qu'il va commencer, je pense que Garrok va s'approcher de lui. Dès qu'il va commencer, Garrok va s'approcher de lui et va le menacer, tout simplement. Il va le menacer, il va lui dire, si tu continues, je te tranche la gorge. Ouais, mais il s'est déjà passé tout ça. Non, mais c'est bien. Ouais. C'est bien, ça permet de compléter l'intimidation de Pelgar, du coup, je pense. Je pense que ça va en complémentation. Farmer ne comprend pas pourquoi on l'a pas déjà jeté à l'eau. Ben ouais. Parce qu'il doit être jugé selon les lois en vigueur dans le Nord. Et on est sur un bateau. Il y a un truc d'eau international, j'ai entendu. Hein. C'est nous qui faisons les lois. C'est le capitaine qui a souhaité qu'il soit jugé en fonction des lois dans le Nord. Alors, effectivement, il y a aussi une petite histoire que vos camarades ont démêlée au point de vue de l'organisation sociale et de travail, enfin, code de travail sur le bateau, où en fait, le capitaine Bartabas a réussi à avoir un équipage les recrutant par des contrats. À durée à vie. D'accord. Donc, ils ont été tirés de leur merde, enfin de leur vie où ils étaient soit en prison, soit en train de faire des choses qui étaient dégradantes ou qu'ils ne devraient pas faire. Et du coup, il leur a proposé de sauver leur existence en signant un contrat à vie.
et de monter à bord de ce bateau. Ce qui, pour certaines, parce que du coup on parle de la Regina, est un gros problème, parce que de son côté, elle a signé un contrat à vie avec elle. Et bien sûr, pour la personne qui voudrait l'affranchir, puisqu'ils ne sont pas payés pour faire ce qu'ils sont en train de faire sur le bateau. Et ben par contre, il faut que pour la franchir, servir au capitaine une petite somme d'argent. Il faut la franchir, c'est elle qui a voulu être sous contrat. On va la franchir. Ce que Jacine, du coup, s'est chargé de faire, il me semble, Ah. vous souvenir. Je ne l'ai pas affranchi, j'ai racheté son contrat. Voilà. Ah, voilà, ça, c'est plus intéressant. Du coup, on a une esclave à bord. Merci. Ça, c'est. J'ai racheté les deux contrats, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui. Bien Ouais, joué. j'ai noté les deux et c'était sous mes ordres. Et ils sont sous les ordres de Belgar. Alors, Bien du joué. coup, c'était Regina et Et Svetlana. l'autre, c'est Svetlana. Svadana, oui. Effectivement. Ça fait toujours deux troufions en plus dans notre armée. Et le sale type, il me semble qu'il s'appelait soit Kevin, soit Kenin, mais je pense que c'est Kevin. Il s'appelait Jock, je crois. Il Ah, s'appelait, c'est tu Jock. considères qu'il est déjà mort? Non, il s'appelle toujours, il est juste attaché à un mât. Ah non, mais tu peux dire il s'appelait. Là, il se les pèle en ce moment, puisqu'il fait pas très froid, très chaud. Est-ce que je peux faire un truc? Oui. Bah maintenant qu'il est attaché, tu peux faire des trucs. Je vais m'approcher de lui et je vais dire, mon petit poussin, je sens que ce soir tu vas bien ramasser. Et bah il va pas trop te répondre parce que du coup ça l'inquiète. Ah ben, ça y peut. Quand Denis Ogre fait ça, dit ça. Ah ben, il va tâter de mon gourdin. Je crois que de toute façon, de son côté, vous le verrez quand même regarder avec méfiance Pelgar aussi, hein, parce que. Pas que Pelgar, puisque c'était également le cas de Svadana, qui est un petit peu, comment dire, caractérisé sur les bords, donc il la regarde de loin aussi. En cas où un danger serait vite arrivé. J'ai une petite chose, Claude. J'avais noté, en même temps que le fait de prendre sous mes ordres ces deux charmantes jeunes femmes, que je devais avoir plus 10 pièces de platine une fois à terre. Mais je sais pas pourquoi, je comprends Et pas. parce que c'est moi, c'est Jacine qui te les a donnés pour faire leur équipement. Ah, c'est ça. Voilà, exact. Allez, je remets les choses en place. Et je vous ai toujours pas donné ma carte du Nord. J'étais sûr d'avoir de vous avoir mis une carte du Nord quelque part, mais bon, c'est pas grave. J'en reparle pas parce que la dernière fois que j'en ai parlé ce soir, ça a bugué, donc j'en reparle pas de cette carte du Nord. Comme ça m'évitera voilà. J'avais une petite précision que je voulais apporter à Farmir et Garrock concernant Regilna. Ah oui. C'est bien gentil de les appeler troufions, mais Non, je les appelle troufions. Regina possède des poupées qui sont faites en peau, probablement humaine, sans yeux et qui semblent assez mort-vif. Et poupée vaudou. Un peu, ouais, on doit être là-dessus. Et elle leur chuchote des choses en disant notamment que le temps allait arriver, quoi. Moi, j'aime pas trop ça. En tant que demi-ogre, tout ce qui est magie, et encore plus magie noire et tout, les morts qui revivent et tout. Ah, ça, je. Ouh là 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 là. Par contre, ce que vous aurez vu, c'est que Jacine et tous ses hommes se sont mis à la méditation pendant le voyage. Ah ouais, incroyable. Ça c'est l'invasion de la religion bouddhiste, c'est ça encore. Ah, les putains de Chinois, ils sont partout.
Donc, ceci étant, vous êtes encore dans le bateau. Que font les Farmiard et Garrok du coup pendant ce voyage? Parce que nous ne savons pas ce que vous faites pendant le voyage pour l'instant. Les deux autres, alors pour précision pour les deux autres, ils ont choisi entre ces petites affaires de bord, ils ont choisi de faire de la méditation. Voilà. Bah, Farmer, vu que c'est un elfe, il se lève tôt quand même aussi. Donc, vu que c'est la première fois qu'il est sur un bateau, il aide au maximum. Il escalade le mât pour faire les nœuds, il brique le pont, il est plutôt serviable, il découvre vraiment la vie de bateau et la vie en mer. Il fait pas plus d'esclandre que ça, il en découverte. Il comprend pas le principe de la méditation, puisque de toute façon. Vu qu'il prie pas pour les pierres, c'est pas vraiment ce qui compte, mais du coup, on leur pardonne, tu vois. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils vénèrent pas les bons dieux, c'est pas très grave non plus, hein. Quant à Garrok, je pense qu'il va essentiellement s'entraîner, soulever des trucs, parce qu'il faut être fort. Oh, il faut être fort. Et tabasser l'autre là, s'il n'est pas encore mort. Donc en gros, Garrok qui pousse à la salle, d'accord. Ouais, et puis il va voilà. Et puis l'essentiel de son temps en dehors de pousser à la salle, ça va être voilà de je sais pas de couper un petit orteil au mec là qui était un peu relou là ou ce genre de choses, tu vois, l'écraser sous un marteau, enfin voilà, bref. La torture, le plaisir. Pas si le capitaine va être totalement d'accord, mais. Ben, il n'aura pas vraiment le choix. Mais c'est des erreurs de manipulation. J'avais un marteau, bam! Oh, quel Oui, genre tu te retournes sans faire exprès, tu lui donnes un coup, quoi. Oh, oh, mais j'ai Il est pas tenu passé un à côté, coup. le marteau est spontanément arrivé dans sa jambe, c'est pas très grave Ah non non, plus, mais voilà. c'est pas très grave. Non, mais franchement, on en a vu pire. Puis c'est une ordure, donc bon. Qui va le regretter? Enfin, moi, évidemment. Bah en vrai, le capitaine. Mais c'est juste une histoire de main-d'œuvre. Bah, je suis désolé pour le capitaine, alors. Oh, j'ai retrouvé mon Bon. scénario, c'est cool. Moi, je pense que c'est même aussi pour ça que Farmiard il est très actif sur le bateau, comme ça, tu vois, c'est pas très grave s'il manque demain à quelqu'un qui enchaînait à un mât, puisqu'il a un elfe qui ne paye même pas et qui n'a même pas pris sous son contrat. Mais il est toujours enchaîné au mât là, au fur et à mesure des jours. Oh bah après Oui. on fait ce qu'on veut avec lui, hein. Exactement. D'accord. Si vous voulez le libérer, vous pouvez, hein. Oh non, 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 surtout pas, surtout pas. Enfin, pour lui, hein, il vaut mieux qu'il reste attaché, parce que s'il est libéré un peu trop près du bord, pourrait passer par-dessus. Oui, alors par contre, il a des amis, hein, par contre. Ah bah, alors qu'il les a mis ou pas, j'enchaîne tout le bateau. Je coule le bateau s'il faut. Non, parce que je suis pas sûr que on aura quand même besoin pour aller jusqu'à Milan. Après, tu fais ce que tu veux, mais. C'est ça. C'est à peu près ça. Du coup, vous voyagez à bord et est-ce que quelqu'un... bah oui, puisque je pense que c'est ce que tu vas faire, Jacine. Je pense que vous allez tous le faire, plus ou moins, puisque si vous surveillez le Jokes, je pense que particulièrement Pelgar, vous allez surveiller Regilna, hein. Oui. Après ce qu'elle nous a fait, je crois que oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je crois qu'elle a voulu se suicider. Ah. Ah, pardon, j'avais oublié. Oh, purée. C'est vrai que la séance était très très enrichie. Effectivement, un soir où bah, la nuit était très opaque, puisqu'il y avait pas mal de brouillard, elle a été à la vigie. Et tout simplement, elle a voulu faire... un petit vol plané. Ok. Et du coup, je crois, alors je crois que c'est Pelgar qui l'a empêché de monter jusqu'en haut.
et qu'il l'a Ça me revient retenu. pas, mais je pense que oui. Qu'il l'a empêché de monter jusqu'en haut. Et à ceci, c'est fait bah, du coup que sa meilleure amie, la naine, a voulu encore plus démonter l'autre, puisque du coup, elle a vu que son amie était en pleine détresse. Et ce qui fait que du coup, Jacine la surveille d'autant plus. Vu qu'il y a un petit. Entre le fait qu'il y a une histoire de poupée et en plus qu'elle veuille se suicider, plus les jokes. Voilà. Ok. Ça fait beaucoup de choses. On dirait que c'est quelque peu palpable, on va dire, sur le bateau. C'est ça. C'est ça, Et c'est on en ça. a pour combien de jours de traversée à peu près? 2, 3 jours, si je comprends, si mes souvenirs sont exacts. 3 jours, oui, effectivement. Ok. Mais ça va faire long, 3 jours. Je pense que déjà à la fin du deuxième jour, je pense que j'aurai déjà découpé au moins une 3 orteils du mec. Et je pense que je vais m'amuser, je serai assis devant lui, je m'amuserai à les jeter dessus, à aller les ramasser, à les rejeter dessus. Je vais m'amuser avec ses orteils, tu sais, je les jette sur lui. Je les cherchais, je les rejette. C'est rigolo ça. Et du coup, question. Peux faire un jeu de sauvegarde de dextérité avec Atis? Ouais. Parce qu'en fait, pour lui, Atis, je crois qu'il est pas très loin d'Atis, si je me trompe pas. Le Jox. Oui, il est pas loin d'Atis, je crois qu'il me semble au souvenir que tu avais dit qu'Atis le surveillait. Oui. Bah, du coup, à un moment donné, tu retrouves plus les orteils. Oui. Donc, Quoi? en fait, Je les jette sur lui, là? Comme ça, pas tu les loin? jettes sur lui, ça rebondit. Ouais. Et du coup, bah, il pense que c'est des croquettes qui arrivent. Et du coup, Attends. Atis, il les gobe, les petits orteils. Mais je le vois les gobelets? Bah, je pense que tu le vois, t'entends des bruits de mâchoires qui se ferment, tu sais, comme les chiens qui gobent un truc. Bien, du coup, je vais faire la putain, merde! Mon jouet! Bon, attends, je reviens ici. Et bam, je viens couper 3 autres. Tu as fait combien dans le ton jet du coup? 22. Ah oh, ouais donc oui c'est bon. C'est bon. Ça le fait. Je fais sauvegarde dextérité parce que je présume que c'est la sauvegarde dextérité. Mais... Bon. J'y arrive presque. Vas-y, Voilà. vas-y, vas-y. Du coup, maintenant que j'ai retrouvé toutes mes données, c'est cool. Parce que il est possible que très rapidement, peut-être pas au matin, je pense que vous allez passer au moins une journée normale. Enfin, jour normal, c'est un peu grossier vu la situation. Mais il va rien se passer de particulier à part une journée ordinaire de bateau et de méditation. Okay. Par contre, c'est à la nuit tombée. Il va y avoir une ambiance un petit peu particulière. D'ailleurs, je vais regarder le calendrier parce que bon, bref, ça voudra pas marcher. Mais dans quelques peu de temps, normalement, il doit y avoir une pleine lune. C'est pas nuageux de base. Ceci étant, malgré que vous ayez commencé à voir les étoiles dans le ciel, à un moment donné. Est-ce que c'est un gros nuage qui passe au-dessus de vous ou quoi?
mais il fait vraiment tout noir. Il va faire tout noir. Mais quand il fait tout noir, je sors ma... Ah non, c'est pas dans cette partie. J'allais dire, je sors ma masse lumineuse, mais c'est pas dans cette game. Non. C'est quelque chose qui cache la lune ou... Est-ce que vous cherchez à savoir? C'est une soirée de pleine lune, c'est ça? Normalement, ça devait être une soirée où on s'approche de la pleine lune au niveau du temps, donc ça devrait être éclairé par la lune. Mais là, et en plus au début, vous voyez un petit peu les petites étoiles un petit peu dans le ciel qui se parsèment, et tout d'un coup, plus rien, tout noir, comme s'il y avait quelqu'un qui avait éteint les lumières, quoi, éteint les étoiles. Ce qui, même dans votre monde, n'est pas normal. Bah, je regarde en l'air, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pelgar va utiliser Daylight, lumière du jour. Tu peux me le niquer pour voir si... Attends, je vois, comment est-ce que je fais? Normalement, tu appuies sur le sort et enfin, on remarque que tu aimes bien que je peux le voir par là. Est-ce que c'est marqué quelque part que j'ai utilisé? Alors, lumière du jour. C'est bien ça, hein, lumière du jour. Ouais. C'est un sort de quel niveau? Niveau 3. Normalement. Ah ouais. Alors. Et on va dire que je le cast à un point central permettant de d'éclairer le pont et l'équipage. D'accord. Ok. Est-ce que... Tu vises un objet en particulier quand tu le mets? Je sais pas, peut-être le mât central pour, okay. pour affecter la plus large zone du pont du bateau. Ok. Du coup, tu fais ça. Et au moment où la lumière se fait, vous voyez comme si vous aviez compris sur le moment qu'on avait essayé de vous se foutre de votre gueule, puisque toutes les étoiles vont réapparaître, ainsi que la lune. Et vous allez apercevoir au niveau des portes qui amènent sur le pont des petits êtres de la taille... pas de la taille des poupées qu'elle avait dans les bras, mais un petit peu plus grand, mais ce sont bien les mêmes poupées. Okay. Et qui vous regarde avec... bah, je vais vous dire très simplement la chose, hein, pour la similarité, qui vous regarde un petit peu à la Chucky. Je sais pas qui c'est Chucky. Une poupée sanguinaire qui a un regard totalement bah, qui va avec avec ses envies, c'est-à-dire de te percer à jour ou te percer tout court. En gros, c'est une poupée qui est armée d'une petite lame et qui va chercher très vite à venir te poignarder. Je vais du coup la tuer. La poupée, je vais la découper. Parce que quand on la coupe en petits morceaux, elle a encore envie. Attends. Oh, quoique, je vais peut-être pas faire une battle map parce qu'il y a quand même les membres d'équipage qui sont là. Par contre, je vais juste me faire un petit turn order avec vous, vite fait. On est bien niveau 8 au fait? Ouais. Oui.
ça rame les fiches. Hein. Ah, mais il me manque un D12. J'ai 7 sur 8 D12. C'est normal qu'il y ait marqué 7 sur 8 D12? Peut-être utiliser un des... Je sais pas. Ok, je sais pas. D de vie, il y a marqué 7 sur 8 D12. Est-ce que ça veut dire que je jetais le D que cette fois? Voilà. J'ai mon truc à jour, c'est cool. C'est quand qu'on a passé de niveau la dernière fois? Juste pour info. C'était... C'était en mai 2023. Ah oui, donc c'était la dernière. Voilà, merci Giroud pour la photo. Chucky, c'est la Giroud t'a mis la photo sur le Discord. Ok. Et il y en a deux qui se ressemblent. C'est des poupées jumelles. Au lieu d'avoir un Chucky, vous en avez deux. C'est encore plus excitant du coup. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver un token de poupée maintenant? Poupée, c'est Poppy. Attends, je vais... comme j'ai dit, c'était des Chucky, je vais juste transposer l'image parce que j'aimerais bien que vous voyez les points de vie. Je vais vous laisser voir les points de vie de cette bestiole. De ces deux bestioles. Donc on est d'accord, c'est qui fait spawn les poupées là? C'est celle qu'on a essayé de sauver là? Vous ne savez pas encore. Pas le cas, ou... Alors, je pense que Pelgar le sait. Qui Je crois que même toi, Jacine, tu as vu la fille avec les poupées, je crois. Oui, c'est possible. Là j'ai dit Chucky parce que ça vous parle plus. Mais les poupées sont vraiment celles que vous avez vues dans les bras de Régine là. Ok. Okay. Donc a priori c'est Régina. C'est ça. Celle qu'on vient de sauver. C'est ça. Je vais la découper sa mère. Et est-ce que je vais réussir à trouver une... C'est fou ça. C'est surtout comment elle a réussi à obscurcir la lune et tout en elle. Je pense que ces poupées veulent tuer Jackson, mais bon. Ah, c'est Doll, poupée. Oh, mais oui. Nice up. Ah, yeah, j'ai récupéré tout, c'est cool. Vous avez pas encore jeté vos initiatives, les enfants? Oui, faut qu'on se mette sur la carte. On se met sur la carte. Et puis comment on fait pour se mettre sur la carte? Ah, oui, c'est vrai, vous avez. Vous déplacez, vous prenez votre. Vous cliquez sur votre fiche, voilà, comme a fait Farmia, et vous le mettez sur la carte. Voilà. Quelle carte? Ah, sur la carte du monde? Oui, oui, parce que bon, vous avez un membre d'équipage de. Vous êtes à 2 contre 2 poupées contre 38 plus ou 4 oui. Ou 5 avec 4. Peut-être des chances que merde, redis-moi comment on fait pour est-ce que vous voyez les images que j'ai mis sur que j'ai mis moi sur la carte ou pas? Des images de poupées? Non. D'accord. Parce que je suis en train d'attendre depuis tout à l'heure que ça se matérialise. Comment on fait pour mettre tu prends ton personnage et tu le glisses sur la carte. C'est bon. C'est internet, ça. Okay. Et à partir de là, une fois que je l'ai sélectionné, je vais là et je fais sur initiative. Plus 5 en initiative, je réussis à faire un nature. Je vais vous faire un échec critique à initiative. Oui, ah yeah, j'ai un token. Oui. Ouais, c'est bon. Ah oui. Oh, elle est adorable. Ah, oh, purée. Euh...
Et effectivement, alors après, ça veut pas dire que le combat va être plus facile parce qu'elles sont deux, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai tiré mon initiative sur le pigeon. Ah oui, qui le renseigne après dans le détour. Ouais, je vais sur le truc qui est dans mes compagnes, tout simplement. Et Felgar est ici. Voilà. Le game log. Tu as fait 18, c'est ça? Oui. Ok. Hop, Felgar. J'ai Jacine. Je vais jeter un petit dé pour l'équipage. Moi, mes hommes, ils sont pas en armure, hein, vu qu'on était en train de se reposer et qu'on n'est pas censé être attaquable. Les gars, je reviens, j'en ai juste pour 5 minutes. Vous pouvez continuer, hein, je reviens dans 5 minutes. Je me Oh coupe oui, le mais il n'y a pas micro. de problème, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Le temps que je mette tout ça. 9, bah oui, comme par hasard, c'est comme Garrok. Hop. Alors, je vais essayer de mettre ça là. Je vais vous mettre visible leur point de vie parce qu'il faut que vous le voyez. Voilà. Que vous remarquez qu'à ces points de vue, ça va pas être si facile que ça quand même. Oui, il va falloir qu'on pose des questions après, hein, par contre. Mais moi, je vois plus les tokens. Ah, ils sont mis en tout petit. Le tien, j'ai Ouais, réussi à bon. te le tien, je te l'ai mis en tout petit. Attends, je vais le remettre là en plus grand. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en petit, mais voilà. Où j'ai mis ton token Telgar? Je ne l'ai pas mis. Super. Et je n'ai pas fait l'initiative des poupées. Oui, vous allez avoir beaucoup de questions à poser, je pense. Ça ne fait aucun doute. Ah, parce que là, mais de rien, elles sont un peu biffies, hein. Hop. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais mettre leur fiche en français, parce que sinon je vais avoir du mal. Hop. Je le signale maintenant, il y a 40 membres d'équipage plus vous. Sachant que, en fait, il reste plus que 38 personnes d'équipage, enfin, du moins aptes à affronter ces poupées. 38. Ah oui, parce qu'il n'y a pas Regina et... Et visiblement, Svadhana n'est pas là non plus. C'est étrange. Hop, heureux. Ouais. Alors, nous c'est qui le premier? Bah c'est Atis. Vas-y, Atis. Attise-moi ça. Atis va se rapprocher. Il va tenter. Alors il fait deux attaques de morsure et deux attaques de griffes. Ok.
Vas-y. La première, je suis pas sûr qu'il touche. Non. Bon, la deuxième, ça touche peut-être. Par contre, avec des 9 de dégâts, on va passer loin. Hein. Oui. Mais c'est pas grave, le tout, c'est de toucher. 14. Ça touche. Non. Ah, en plus, elles ont une grosse serre. Oui. Grosse serre, gros PV. Oui. Oui. Ok, bah voilà, Atis. Du coup, le 21 va toucher. Alors, la poupée là, celle qui est ici. Oui, bah, c'est celle que j'attaquais d'ailleurs. Oui. Elle est juste sortie la première. Bah, en même temps, j'ai envie de dire c'est un petit peu RP puisque c'est la première qui est sortie. Qui est sortie de la cale et qui se pointe et qui se met un petit peu sur la droite pour essayer de vous contourner. Atis était au niveau du mât pour surveiller Jokes. Du coup, je pense qu'il a dû commencer par se bouger pour se mettre dessus. Ce qui fait que peut-être pour l'ambiance, ça a été un petit peu dur pour Atis pour atteindre la créature. Et il va lui faire quand même 9 points de dégâts. Hop. Par contre, tes consoles, tu nous en as mis deux, hein, quand même. Tu nous en as mis deux. Hein. Ouais, Oui, on va les oui. one shot. Non, non. Non, vous les one shotterez pas celle-là. Impossible. Par contre, t'as pas mis les hommes. Ah, j'ai pas Ah. mis tes hommes. Eh ben, ils vont jouer en même temps qu'Atis. Voilà. Ok. Ça m'arrange. Donc C'est parce que ils c'est. auront pas le temps de faire l'armure, hein, donc. Oui. Donc je lance les D20, c'est ça? Oui. T'as combien de. Oui, tu lances tes dents. Avec autant d'hommes que tu as. Je te laisserai faire leur bonus éventuel, je sais plus ce qu'ils ont comme bonus. Moi, j'aurais deux critiques. C'est sur Kanka qu'on avait fait ton arme. Ah oui, ok, c'est vrai. Attends pour moi, je vais aller voir. Je crois que j'y suis pas encore. Oublie d'y aller. Ouais, surtout que voilà, allez, c'est bon, on peut s'étendre. Donc ça m'arrange X là. Parce que j'ai pas de résultat sur la Wolfire. Il l'a enregistré en tant que quoi, hein? Jacin? De toute façon, au pire, si tu le trouves pas, on utilise le bonus de Jacin. Parce que s'il n'est pas sur la Wallfire, c'est qu'on l'a pas fait. Ça m'étonne, mais. Ben en fait, non, ça m'étonne pas parce qu'elle n'est pas encore créée, mais. Ah, mais oui. Bon, bref, on va utiliser le bonus à Jacin. J'ai retrouvé ça dans ma mémoire d'ici tout à l'heure. Le bonus d'attaque bah, plutôt À à 10 l'épée. à l'épée, oui. Donc au corps à corps. Et à l'épée. À l'épée ou à distance? Bah tu peux faire Ouais, non. moitié-moitié, hein. Non, je vais faire à l'épée parce que distance, ils peuvent attaquer les voiles sans faire exprès. Donc j'ai plus 6. Ah oui. Ah oui. On peut peut-être faire plus 3 pour éviter que ça soit. Non, 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 c'est très bien. Non, bah t'as vu les créatures que t'as en face, vaut mieux les toucher hein, quand même. Ok. Donc j'ai un 24, Attends, attends, un 21. tous les scores au-dessus de
Enfin, tous les scores à 12 et au-dessus de 12, 12 touches. Voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 dont 2 critiques. Oh, j'ai tout qui bug. Comme vendredi. Et j'ai combien de... là. Et plus combien en force? Plus 2 en force? Oui. Donc 2 fois 18, 36. 36 dégâts? Non, 36 dés, pardon. Non, 18 dés plus 36. Ok. 102. 102, ouais. Tu les partages entre les deux poupées? Je pense, ouais. Ok. Non pas que j'ai envie que ça dure plus longtemps avec les deux poupées, mais ça permettra de réduire un petit peu la voilure en termes de temps. Mais bon, après ça se voit en termes de stratégie, hein, parce que ce sont pas non plus d'une faible. Du côté des poupées, la première cible des poupées, ça va être d'essayer de foncer vers Jox. Sauf que la difficulté, c'est qu'il y a déjà Atis et beaucoup de gardes à l'épée qui ont décidé de se mêler de la bataille. Donc, bien entendu, les premiers à prendre dans la tronche, ça va être tes gardes. Ok. Alors, tes gardes. Elle a fait une attaque. Un 20 va les toucher. Bah, ils sont pas ils ont pas d'armure, donc oui. Hop, en dégâts. Un petit D4. Oh, putain, j'ai pas mis le D4. Je vais mettre le D4 sur le. Hop. Alors. Ok. Ça fait 4 pour 1, donc je vais le noter quelque part si tu veux. Parce que ça doit ouais, être des. Ça doit être des gardes lambda, je pense qu'ils ont doivent avoir 11 PV, je pense, chacun. Oui, mais du coup, ils sont pris des dégâts. Et, et en fait, ce garde-là, il est pris d'une violente ouais. Colère. Ouais. Et est-ce qu'il fait un test de contrôle de forme avec l'avantage côté Jacine ou un contrôle de forme, ça sera plutôt avec des avantages parce que je suis pas sûr que vu que c'est la première fois pour lui, je suis pas sûr qu'il ait vraiment l'avantage pour se contrôler. Et... je le lance pour Jacine, mais ça sera. Oui, oui, présume... parce que tant que je me souviens pas sur où est-ce qu'on a mis ça. 22. Sans blague. Tu as fait 22 avec un désavantage. Ok, bon, il se contrôle. Ouais, mais il est en rage. Hein. Ok. Il ne va pas pouvoir utiliser son pouvoir. J'ai un truc qui est sympa.
Je peux lancer un D4 de plus. Tu peux lui rajouter 3 points de dégâts en plus. Ouais, il est bien amoché quand même. Hein. Oui, bah, j'imagine bien, mais bon, en même temps, les créatures que vous avez devant vous sont pas là pour vous louper. ceci dit, cette première poupée a fait cette attaque-là. La deuxième bah, elle va faire la même chose, puisque du coup, si vous bloquez la première, la deuxième, vous allez très vite la bloquer alors qu'elle essaie de sortir du pont. Par contre, elle va s'attaquer à un autre garde pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle n'est pas au même endroit. Mmh. Hop. Par contre, là, pour être tout à fait sincère, c'est impossible qu'elle réussisse son attaque. Bah si, puisque un 16, si ça touche quand même. C'est bon. Hop. Hop. Un 2 plus donc un 7 contre un autre de tes gardes. 8. Sauf que lui, la colère, il commence à crier. Ouais. Et en fait, il commence à se mettre à quatre pattes. Et des poils commencent à pousser, sa gueule commence un peu à se métamorphoser, à s'allonger un petit peu. Ses muscles commencent à gonfler, ce qui déchire un peu ses vêtements. Et il prend la forme d'un loup-garou. Au moment où ça se passe, tu entends Bartabas qui crie « Chaloupe à la mer !» Tout le monde se casse. Et du coup, il prendra que 7 points de dégâts. C'est déjà pas mal. Ah, mais non, c'est vrai, j'ai mon dé de relance. Donc, non pas 7, mais 11 points de dégâts. Mais du coup, il est mort. Attends. 7 plus 3, 10. 10 points de dégâts. Pardon. Ah, mais il a un point de vie. Voilà. Mmh. Ensuite, Jacine, c'est à toi. À moi? Oui. Si je fais un geyser d'énergie en dessous d'eux, est-ce que ça va les... ça va toucher que la poupée? Je peux faire en sorte de manière à toucher que la poupée? Tu peux faire en sorte de toucher que la poupée. Fais-moi un petit jet de perception, parce que tu es un petit peu dans le noir. Je te laisse l'avantage si tu veux, parce que du coup, il y a une lumière de jour qui est faite quand même. Oui. 22. Ouais, t'aimes bien les 22, toi. Tu remarques que Regilna est un petit peu pas tout à côté, donc tu vas pouvoir quand même placer ton geyser quand même. Ça va pas faire du bien au bateau, mais on s'en fout, il va tenir. Mais tu vois Regina qui est un petit peu en arrière, qui a les yeux creux, noirs, voire ténébreux, qui se tient debout avec les cheveux anormalement raides et avec une posture de corps... pas top. Et en fond, juste derrière elle, tu verras un corps étendu de la taille d'un nain. Et avec une flaque de sang. Elle a tué Sladana. C'est qui Sladana? C'est sa meilleure amie. Ah. La Dana. Sa enfin, meilleure c'était amie. Du coup. Ah, ah. Oui. elle est à... Combien de portée? Elle est à 27 mètres ou pas? Elle est... Non, pas à 27 mètres, pas dans la... Pas comme tu la vois. Derrière les poupées, elle est à... Je dirais 8 mètres.
Grand Maxime. Ok. Et bien, ça sera sur Regina que je vais faire le sort. Dis-tu là. Je vais faire un sort de tonnerre. Oh, tu as pu faire un sort de décapitation, là. Bah. Par contre, elle est pas sur la si... elle est pas sur la map. Regina. Oui. Non, c'est pas grave, tu peux lui faire le sort, t'inquiète pas, je vais compter ses... Ok, mais il n'est pas demandé à... Ah, si, voilà. Je crie, faites attention au bateau! Et ouais, allez, je vais le lancer au niveau 3. Tu lui fais 27 dégâts. Ok. C'est un geyser de quoi, de quelle énergie d'ailleurs? Tonnerre. Tonnerre. Tu vois l'éclair qui sort du geyser et qui va la déchirer de partout. En fait, ça va en dessous d'elle. Hein. Ça, ah ouais. C'est un... ça rentre pas, ça doit rentrer par les pieds et, ouais. Et ça la déchire. Tu remarques qu'elle est complètement calcinée. Son corps va pas tenir. Il va pas continuer à avancer. Il va finir par progressivement tomber en cendres. Et tu entendras les deux poupées complètement hilares. Vous aurez un avantage sur elles à votre prochaine attaque. Mais elles sont complètement hilares et se foutent littéralement de la gueule de Regina. Okay. Est-ce que tu fais autre chose? Je dis juste aux autres de faire attention au bateau, mais c'est tout. Ok, attends, du coup, est-ce que tu peux me faire un vite fait un mini résumé? Du coup, on a Regina, on est d'accord, c'est la méchante, du coup. Non, elle est morte, là. Ah, et les poupées sont toujours en vie. Oui. Oui. Ah, et c'est quoi le bateau, le fameux bateau? Bah, c'est notre bateau sur lequel on est actuellement. Mais pourquoi tu dis qu'il faut faire attention au bateau? Bah, parce que si on le détruit, on a... Pour pas qu'il coule. Voilà. Ah, d'accord, il y a le risque qu'il coule. Ok. Oui. D'accord. Du coup, c'est à moi. Oui. C'est pas Belgar? C'est quoi l'initiative de Belgar? 18. J'ai 8. Ah oui, il est pas dedans. Tu m'as pas rajouté, mais c'est pas grave. Ah, bah, il fallait cliquer sur ton token. Non, il était pas sur la bonne partie, je crois. Mais parce que son personnage est pas top ici. Ah, bravo, bravo. Non, c'est de ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Non, mais c'est surtout parce que j'ai la fiche perso que sur D&D Beyond et que je laisse Claude faire des choses pour moi. Oui, oui, non, mais ça non, fait... Il faut jamais, jamais laisser Claude faire quoi que ce soit. Non, mais ben, jamais. Du coup, Garrok, tu vas attendre un petit peu ce petit appel. Une erreur de débutant. Enfin. Voilà. Jamais, faut jamais laisser Claude faire quoi que ce soit. Mais c'est tout à fait bien, effectivement. Il est à 18, donc c'est toujours de Pelter. Bien. Et donc, moi, je vois Regina tomber ensemble. C'est bien ça qui se passe. Oui, quand même. C'est ça. Et il reste deux poupées qui rigolent. Et tu les attaques pas avec avantage. Je vais les attaquer avec avantage. Ouais. Ah mais attends, mais il y a l'autre là qui est par terre dans le sang. Hein. Ça convient pas ça. Hein. Mm. Ah, Pelgar tient quand même beaucoup à la vie de tous ceux qui l'entourent. Donc Pelgar va se précipiter sur Zvadana. Et est-ce que tu peux décrire un petit peu ce qu'il voit? Ok. Qu'est-ce qu'elle a comme blessure? Alors du coup, tu profites que les gardes de Jacine soient occupés à se battre contre les deux poupées. Tu te faufiles entre eux. Tu descends à la cale, du coup tu vois qu'effectivement cette Regina
qui tente toujours d'avancer, mais tu vois bien que ce n'est pas elle, mais ce qui essaye de la manipuler à distance. Donc elle va tomber en cendres. Juste derrière, bah, qui se mêle un petit peu aux premières cendres de Regina, du sang qui commence un petit peu à être poisseux. Tu vois un corps qui est celui effectivement de Regina. Tu vois une grande flaque de sang. Tu ne sais pas comment elle a été blessée puisqu'elle est face contre terre. Avec bien entendu les cheveux qui trempent dedans, dans le sang. En fait, attends, je suis désolé, je j'arrive pas à comprendre. Tout à l'heure, tu nous as dit, Regina était sur le pont. Non, c'est Jokes qui était sur le pont, qui est attaché Oh, au. Regina était à l'entrée en fait. Elle était à l'arrière et moi je l'ai attaqué. Oui, pardon, oui. À l'entrée de quoi? De la cale? Oui. Oui. Ah oui, D'accord. t'as tué Donc, Regina. Et Regina était innocente. mais en fait, il y a la vraie Regina qui est dans la cale. Non, c'est Svadhana que tu vois là. Sa Ok, parce meilleure que amie. t'as employé plusieurs fois Regina, alors que c'était Svadhana qui était censée être à terre dans le sang. Ah ben, décidément, ok. Ben, pardon. Donc Mais. Regina, elle est morte ou elle est vivante? Regina, elle est Bah. morte en cendres. Et Svadhana est derrière et baigne dans son sang. Donc Ok, les deux donc. sont mortes. Voilà. Bah. Il y en a une, on est sûr qu'elle est morte parce qu'elle est enceinte. L'autre, on n'est pas sûr, elle baigne dans son sang. On n'a pas Ouais. encore eu de confirmation. Donc je vais m'approcher Confirmé. d'elle et voilà la retourner pour essayer de voir si dans son visage ça annonce qu'elle est morte ou qu'elle est simplement blessée. Fais-moi un petit jet de médecine. Un petit jet de médecine. Pire, tu l'as fini, hein. Ouais, je me dis. Franchement, un bon petit coup de couteau dans la gorge, là, schlack. Tu C'est pas comme ça vérifies, qu'on traite nos alliés, Garrosh. hein. 18 en médecine. 18, ok. Tu remarques qu'elle a eu au moins 7 à 8 coups de couteau. Qu'elle saigne abondamment, mais que son corps est encore chaud. Donc elle a encore la possibilité d'être sauvée. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme action possible? J'ai une petite idée, mais je te laisse la trouver. Tu veux un conseil? Ouais, dites-moi parce que Est-ce que tu as position je. des mains? Voilà, c'est ça que je pensais. À poser sur des mains ou soin des blessures si tu as. Enfin, moi j'ai, mais je serais plus efficace avec mon arc. Ouais, mais en fait, j'ai pas trouvé la position des mains là. Mais normalement, je l'ai. Bah oui. Mais oui, healing hands, ok. Et t'as pas encore des auras au niveau 8 qui commencent sur. Bah après, moi, j'ai un truc qui doit être lié au fait que je sois en Asimar, je sais pas. Le toucher apaisant. Ouais, ça doit être pas mal ça aussi. Ouais, ça doit genre donner à l'avantage. C'est un D4 plus mon modificateur de charisme. Ah Mais c'est de base. Et donc au niveau 5, c'est 2D4. ça se rapproche pas du mot de guérison par hasard? Ouais, ça doit être genre la version. Mais après, j'ai aussi des spells Cure T'as... Wound et Lesser Restoration. Mais c'est pas la même chose, non, c'est pas Non. applicable. Cure Wounds serait le plus approprié, mais t'as pas beaucoup non plus de spell slots, cette salle. Pour Ouais. l'Azimar, Non, non, t'as non. ta main guérisseuse qui te permet de Stabilise. restaurer 8 points de vie à la créature. En la touchant. Ouais, une fois par long rest. En vrai, après l'imposition des mains, j'ai un gros pool de PV potentiel. Je On va lui faire préfère que un. tu regardes tes sorts contre les ennemis ici. Le jeu. Je pense que tu peux quand même faire plus de dégâts que nous.
Ouais, parce que si c'est des morts-vivants ou des conneries de genre, t'as peut-être des bonus. Parce que moi aussi, j'ai des soins des blessures, donc... On pourra s'occuper des blessés après, mais si c'est RP qui s'occupe des blessés maintenant... C'est RP 100%. Ouais, ben voilà. J'ai pas le choix. Je lui fais une imposition des mains pour 10 PV. Ok, du coup, elle revient un petit peu à elle. Et comme j'ai que 6 secondes pour te dire ce qu'elle va te dire, elle va te regarder et te dire tu es là, tu es là. C'est clair. Et c'est tout ce qu'elle va dire en 6 secondes. Qui c'est qui dit ça? La meilleure amie. Svadhana, celle que je viens de refaire. De retourner. Ouais. Et de Mais soigner. du coup, tu l'as soignée alors que c'est peut-être elle la coupable? Non, c'est sûr que c'est pas elle la coupable. C'est pas elle qui parle Oh au ben. bébé Tout ce qu'on a qu'à faire, c'est la tuer pour vérifier. et... Alors, c'est pas la conception qu'a mon personnage. D'accord. Est-ce que éventuellement je peux percevoir autour de moi si je sais pas peut-être plus bas dans la cale j'entends du bruit ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, moi j'ai du mal à croire que à ce moment-là que Regina est véritablement morte. Tu n'entends pas de bruit dans la cale. Pas de. Alors, t'entends un bruit de grattement au niveau de la coque, mais comment te dire, ça vient à la fois de la droite et de la gauche, que vous êtes sur un drakkar et que du coup c'est relativement large, ce qui fait que c'est pas possible que ça soit une personne qui puisse gratter d'un côté et de l'autre de la cale. Voilà. Très bien. Alors, je sais pas quelle était la distance que j'aurais parcourue pour arriver jusqu'à elle, et est-ce que je peux retourner vers Jlok? Non, tu pourras pas. Pas sur l'action là, en tout cas. Ok, bon bah écoute, fin de mon action, je pense. Je laisse jouer les suivants. Garrok, Ça... c'est à toi. Cette fois. Ah ben, moi, a priori, il n'y a pas d'ennemi que je dois éliminer, assassiner. Donc, je dois taper sur les gros tanks qu'on a devant. Donc, je vais taper les poupées. Hein. Vas-y. Si j'ai bien compris, mon travail se résume à ça. Tapez Ouais. les poupées. Alors, sachant que j'ai toujours un doute sur mon passage de niveau. J'ai l'impression d'avoir raté un passage de niveau. Alors, je vais taper. Je crois que je tape 14 fois, non? Merde. Ouais, du coup. Bah, deux fois minimum, puisque t'es un barbare. Ça. Est-ce que tu te mets en rage? Oui, évidemment. Oui. Rage, frénésie, attaque téméraire, attaque supplémentaire, je tape 4 fois, non? Et n'oublie pas que tu as des hommes avec toi aussi, hein. Ah oui, j'ai des hommes avec moi. Ben, je dis à mes hommes, on va tous les découper, et voilà, on attaque. Boum! Je crois que t'en as combien? 2, 3? Je sais plus. 3. Trois. Attends, 2 secondes. Je regarde juste ça, parce que j'ai pas. Merde. Ah non, c'est bon, là. Oh là là. Attends, attaque téméraire. Vous effectuez la première attaque que vous proposez, une attaque, un avantage. Ok, un avantage. Donc je vais prendre un avantage. Ensuite, Ah, attaque tu peux pas supplémentaire. c'est la frénésie, c'est en supplément de ta rage en fait. C'est d'abord il faut que tu rentres en rage parce que ça te coûte une action Non mais bonus. t'inquiète, je rentre en rage, no problème, no problème, t'inquiète. Je rentre en rage. Comme je dis, non. Vous devenez... Ok, donc je tape 1, 2, 3 fois. Attends, 1, 2. Oui, je tape 3 fois avec avantage. Ok. Boum! Allez, c'est parti. C'est bon, je crois que j'ai tout lu. Hop, avantage, taper 3 fois, achat de main, plus 2. Ça me semble bien, ça, plus 2.
Ah, jeton cible target, cliquez sur un jeton à l'écran pour choisir une cible. Ouais, une Je poupée. comprends pas. Tu as. Il faut que je. Ah, il faut que je clique sur la poupée. Ouais. C'est ça. J'arrive pas à cliquer sur la poupée. Tu. Merde. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à cliquer sur la poupée? Ah, c'est bon. Voilà. Ça touche. Ok. Je recommence. Et je recommence. Et voilà. Alors, Voilà, c'est bon. je regarde tes dégâts. Les dégâts doivent pas être bien parce Non, que. non, il y a un truc. Parce que le, il n'y a pas ta rage dedans, mais c'est pas grave. Je vais regarder ce que c'est que Ah ta merde, rage. c'est quoi ma rage? Ah Ah si, c'est putain, plus je suis nul. 2, c'est plus 2 ta rage. Par contre, il n'y a pas de dé de paramétrer. Non, 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 le plus 2, c'est ma hache. Ah oui, il n'y a pas de Oui. dé de paramétrer, oui, exact. Il y avait un truc que je trouvais bizarre, oui. Parce que je suis une merde, du coup je l'ai pas, j'ai pas coché la rage sur mon perso. Évidemment. Est-ce que c'est quoi? Je sais même pas C'est. où. Attends 2 secondes que Je je sais même trouve. pas où je clique pour activer ma rage. Ça Aucune vient, ça idée. vient, ça vient, ça vient, ça vient. Je sais pas comment l'activer. Voilà. Alors, tu as cliqué sur ta rage. Je suis pas sur ta rage, sur la Je sais pas comment on hache. fait. Je sais pas comment on fait pour activer la rage. Oui, attends, J'en sais rien. hache à 2 mains. Alors, le crayon. Pourquoi il t'a pas lancé le dé? D'accord. Du coup, tu vas pouvoir lancer. Alors, je regarde sur les jets d'attaque. Oui, les jets d'attaque sont bons. Tu vas pouvoir me jeter un des 12. Parce que du coup, tu vas toucher qu'une Ouais. seule fois. Ouais. 6. Je Cinq. touchais une seule fois? Ah ouais, il est 18 d'armor. 6, 11, 11, 13, puisque du coup t'as ta rage dedans. Ah, mais c'est une hache à 2 mains plus 2. C'est pour ça qu'il y avait le plus 2. Donc ça fait 11. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 6, 11, 11, 13, 13, et ta rage, ça fait 15. 15 points de dégâts. Sur quelle poupée? La mon plus affaibli. Ok. Hop. Tu l'as attaqué avec tes méritaires. Oui. Faut que je les garde en tête. Avec avantage. C'est très intéressant pour les MJ. Oui, je sais. D'ailleurs, petite question, t'avais pas dit qu'il avait avantage sur CG pour ce tour-ci? Ben moi j'ai cliqué sur le truc avantage, je sais pas si je l'ai Ah oui, eu, ok. mais j'ai cliqué. Oui, il a déjà attaqué avec avantage, donc. D'accord, ok. Mais t'as raison, je trouve ça bizarre que je fasse 5. C'est ça? 5 avec avantage? Comprends pas. 5 plus Non, 6. tu fais 6 et ta force c'est plus 5. J'ai du Voilà. mal à comprendre les détails de tout ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'y a pas joué, c'est pour ça. Non mais surtout que c'est la première fois que je joue avec ce style-là, avec cette fiche-là de personnage. En fait, t'as en dégâts sur ta hache, t'as un des 12 pour les dégâts de hache. Ensuite, tu as ton modificateur de force qui se rajoute aux dégâts. Attends, attends, le premier jet, moi là par exemple, le tout premier, j'ai 9 plus 5. 9 c'est quoi? C'est mon jet de dé? En fait, 9 plus 5, c'est que tu as lancé 1, 9 et 1, 5. Voilà. Et il Ah conserve putain, mes le. jets Il sont conserve. vraiment nazes! Oui. Ah ouais, d'accord, ok, c'est bon. Ok. Voilà. D'accord. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Oui, en ce moment, Roll20 est pas gentil avec les gens en ce moment. Rolling 5. Attends, par contre, il y a un souci au niveau des dégâts de ma hache. Alors Oui, là, c'est pour ça. je viens de regarder, les dégâts de la hache sont problématiques. Oui, aïe, Ça veut dire quoi, aïe, ça? aïe. En fait, il n'y a pas les dégâts de la hache, en fait. T'as pas mis les dégâts de la hache. Oui, Il n'y a effectivement. que les bonus qui sont ajoutés. Et la hache, elle fait Un des 12.
Ah ben voilà. Mais c'est Ah mais du bon. coup c'est ça que tu m'as demandé de côté? C'est ça. Tu l'as modifié Ah là, c'est ok bon. d'accord. Oui. Oui, Ok. je modifie. Du coup, tu fais ça. Niveau mouvement, bon, tu vas pas avoir dit comme Pelgar, tu vas pas pouvoir faire tellement plus parce que bon, il y a quand même des gardes qui sont sur le chemin, donc faut te faufiler et tout ça. Donc niveau déplacement, ça va être compliqué Ouais. de faire plus. Du coup, t'as Mes fait collègues, ils tapent. tes trois attaques. Ouais. Je sais pas si t'as d'autres attaques bonus. Enfin, bah non, Non, puisque moi, j'ai rien d'autre. Je t'as vais déjà aller. fait ton action bonus déjà, de toute façon. Ouais. Donc on va faire l'équipage qui, eux, de leur côté. Attends, Claude. Oui. Parce qu'il Mes a collègues, là, ils ont tapé. il a Mes ses deux, collègues. mes trois alliés. Ah oui, exact, les trois alliés. Vas-y. Je te laisse faire les attaques. Oui. Allez. Trois attaques. Hop. Il y en a un qui va toucher. Et qui va essayer, lui, de son côté, de taper l'autre, histoire de régulariser, d'équilibrer. Voilà. Voilà, les trois ont tapé. C'est vrai qu'ils ont deux attaques, puisque du coup. Donc je relance 3 des 20. Hop, une autre touche. Ça descend pas vite, mais ça descend. Farmia, c'est à toi. Non, c'est l'équipage. Oh, c'est l'équipage, oui. Et après, c'est Stéphane. L'équipage avant moi. Allez, l'équipage. Hop. Ok. 38. Ils vont y aller. Ils ont pas beaucoup de. Ils vont attaquer avec quoi? Avec leur dague. Ils vont balancer leur dague. Trente-huit des 20. Non, même pas, je sais même pas pourquoi je dis 38, parce que de toute façon, une joke est en moins, ce qui peut pas tirer. C'est le 1, l'échec critique, c'est jokes. Alors, 1, 2, 3, 12. Et le capitaine qui va lui de son côté. Ah merde. On peut le faire comme ça, c'est pas grave. Alors, qui vont attaquer moitié-moitié. 18 ici. Et 18 là. Voilà. Du coup, sur le bateau, parce que c'est un petit peu le foutoir, du coup, puisqu'il y a les gardes de Jacine qui essayent d'attaquer. Il y a les membres d'équipage qui ont eu un petit peu peur à un moment donné, puisque du coup il y a un loup-garou qui vient d'arriver sur le bateau. Mais en même temps, il y a deux poupées maléfiques qui ont tendance à vouloir attaquer un petit peu tout ce qui bouge. Donc
Ils prennent sur eux et ils préfèrent attaquer les poupées. Après, ils verront pour le loup-garou, mais ils attaquent la poupée. Ce qui fait qu'ils rentrent un petit peu dans cette danse avec les gardes, où quand eux ont attaqué, se reculent pour laisser ceux de derrière attaquer. Les pirates font de même de leur côté. Il y a quand même une scission à bord. Ils se mélangent pas forcément beaucoup aux gardes. S'en méfient un peu. Et c'est au tour de Farmia. Alors, Farmiar, il va un peu genre sauter sur les tonneaux ou même se mettre sur le mât pour essayer d'avoir un bon angle de vue avec son arc. Hein. Bah, parce tu peux, que... hein, parce qu'actuellement, oui. t'es le seul à tirer au loin, j'ai l'impression. À part ouais, Yassine aussi, mais. Parce que mes dagues, c'est pas d'une efficacité folle et mon arc est plus efficace, donc je préfère avoir un bon point de vue. Je murmure cible en elfique et je vais lancer marque du chasseur sur une des poupées et puis je vais commencer à la fracasser à l'arc. Hein. Vas-y, vas-y. Avec avantage. Donc 24 pour toucher, 12 de dégâts. Ça touche. Et ma deuxième flèche. 20 pour toucher, 16 de dégâts. T'as quoi comme ennemi juré déjà? J'ai plante, parce que j'ai vécu dans la forêt, donc c'est plante. Et en humain, j'ai pris. En humanoïde, j'ai pris humain et j'ai pris gobelin, mais en fait, c'est pas gobelin, c'est gnome que je peux prendre. C'est pas gobelin, mais voilà. Et donc, quand c'est un ennemi juré, t'as quoi? Ennemi juré, c'est juste pour les traquer, c'est pas tellement pour les dégâts. Ah oui, c'est mal fait dans ce sens-là, le rôdeur. Okay. Mais bon. Par contre, tu les. Mais j'ai fait tueur du colosse sur ma deux. Tueur de colosse, c'est qu'une seule fois par tour. Ouais, mais du coup, tu les perçois, du coup. Si c'est ennemi juré, tu les ressens. Si j'utilise un spell slot pour les sentir, oui, je les sens. Et je les sens plus loin si je suis dans mon terrain favori. D'accord, ok. Du coup, les deux vont toucher. Tu vises laquelle déjà? Celle de gauche. Okay. Ok. Celle-là, là. Donc tu vas faire carton plein, ma foi. 28 points de dégâts. Mais ça peut faire très mal, en regard, c'est pour ça. Et fin de mon tour. Ok. Atis, c'est à toi. Alors, du coup, il va refaire ses 4 attaques avec avantage, du coup. Il aime pas trop combattre en mer. Hein. Ouais. J'en expliquerai un petit peu plus, ça me semble RP, donc je t'expliquerai après. 19, du coup, pour la deuxième morsure. Première attaque de griffe. Et deuxième attaque de griffe. Ça la touchera pas. Okay. En revanche, j'ai mes hommes. Et oui. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Pourquoi pour éviter d'avoir à compter tous les jets? Ouais. Tu tapes ton jet d'attaque et si c'est du coup plus 6 oui. Et vu que leur CA est à 18, du coup faut que ton score soit supérieur à 12. Oui, mais comme j'ai l'avantage. Ouais, effectivement. Là, j'avoue, tu me poses une colle. Alors, sinon, ce que je fais, c'est que je. Tu me lances deux fois le jet et je prendrai le meilleur nombre de positifs. Bah, sinon, je relance ceux qui sont échoués après. Je fais un premier jet et ceux qui sont inférieurs à 12, je relance ces jets-là. Ouais. Ça me va. Alors, j'en ai combien inférieur à 12? J'en ai 1, 2,
3. Parce que sinon, 4, quand tu lances 5, comme ça, tu peux mettre 6. le signe supérieur ou inférieur directement sur le clavier, ça marche. C'est 18, ok. Ah, on a perdu un membre. 12. Ah oui, d'accord. Je sais pas, il est quelle heure? Il est 23h15. Oui, bizarre. Donc du coup, j'ai 7 succès et j'ai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. J'avais fait quoi comme dégâts? Ça fait plus de Sachant que t'as un de tes gardes qui est en loup-garou. Ah oui. Bah, on va dire que c'est celui qui a pas réussi à taper parce qu'il ne maîtrise pas encore sa forme. Voilà. C'est réparti, hein. Neuf, 160. 161, ça fait 80 pour chaque. 80. La poupée de gauche qui se faufile, du coup, se révèle être. Alors, attends, je fais les dégâts sur l'autre en passant. Hop. Lorsque vous la cassez, vous remarquez qu'elle n'est plus en tissu. Ah. Ah putain, il va falloir que je décrive mieux que ça. Enfin, que je sois doué pour vous la décrire. Lorsqu'elle casse sous l'action de tes gardes, elle semble avoir craqué, comme si c'était une sorte de barre en fer qui cassait. Elle a poursuivi sa mort. Elle s'est rétractée comme si c'était un chiffon qui avait été gonflé et qui se dégonfle. Ensuite, vous remarquez que au niveau de la gorge, comme si il y avait une histoire d'égorgement, vous remarquez qu'il y a du sang qui suinte. Surtout le long de cette coupure, et qui suinte comme si le sang coulait là, de la poupée. Ensuite, ce qui semblait être les yeux vifs de cette poupée sont de nouveau, pendant un moment, investis d'un regard ténébreux. Enfin, de ténèbres, avec du coup l'intérieur qui est complètement noir et profond. Vous ne voyez plus de pupille, ni d'œil, ni rien, ni paupières. Et c'est très instantané, puisque quand elle se dégonfle, du coup, ce sont simplement des trous dans le tissu qui apparaissent. Et elle va tomber au sol comme ça, sans vie. Dedans, elle n'était pas vivante, si. Elle De était base. à vous de à vous de Elle voir. respirait pas, quoi. C'est groupé, quoi.
À vous de traduire comment elle était. Et de l'autre côté, l'autre poupée est encore en vie. Alors, en fait, pas vraiment. Dès qu'elle va voir l'autre poupée commencer à perdre, vu qu'en plus ça va être son tour à la poupée, quand elle voit l'autre qui commence à se rétracter, à se casser, enfin à perdre vie, elle va être largement effrayée. Elle va commencer à tourner sa tête sur elle-même, un petit peu comme dans l'exorciste. Et elle va vous... Qu'est-ce qu'elle va tenter de faire? Parce que vous lui avez pas laissé quand même beaucoup de points de vie là. À un moment donné, elle va juste arrêter sa tête. Regardez. Ah, je sais pas si Pelgar va la regarder à ce moment-là. Je pense que si Pelgar va la regarder à ce moment-là. Et te dire. Et du coup, vous allez tous l'entendre. Je vous retrouverai. Et quand ça sera le cas, vous mourrez. Et à un moment où elle dit vous mourrez. Va tout simplement est-ce que je vous accorde une attaque d'opportunité? Je pense que oui. J'en ai que 20. Ouais, vas-y. Par contre, il y a Garrock qui en a plus. Bah tous en fait. Garrock a une attaque d'opportunité. Tes gardes ont une attaque d'opportunité. Bah du coup les trois copain de Garrock ont une attaque d'opportunité. Ok. J'arrive même plus à taper. Attends, charge par utilisation. Je sais même pas comment je fais maintenant pour taper avec ma hache. Je sais même plus comment faire. T'appuies dessus. Alors, je peux pas cliquer. Attends. Faut que je rappuie sur le crayon. T'appuies sur le crayon jaune en haut à droite, à gauche. Ah. Voilà. Okay. Et normalement, tu peux cliquer dessus. Ah putain. Je sais plus le faire. Oui. Ah oui. Si je double clique, ça marche. J'ai pas besoin de viser une target là. Yes. Ok. Et tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire trois fois pour les autres. Ça va être plus simple. Voilà. Du coup, tu vas toucher. Bah, c'est les autres qui vont toucher trois fois. Alors, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que vous allez faire en global. Alors, en global, je crois qu'on lui fait du hachis de poupée. Hein. Effectivement. Alors qu'elle était en train de faire comme l'autre, c'est-à-dire de se barrer du corps de la poupée. Vous en profitez pour la piquer à fond. Et effectivement, avant même qu'elle ait totalement réussi à se barrer, vous entendez un petit cri strident. Et la poupée qui va du coup tomber au sol sans vie. Alors, à la différence de l'autre, chaque coup que vous allez lui avoir porté avant qu'elle se dégonfle vont être dégoulinants de sang. Ah, elle était vivante. Ça, c'est bizarre, ça. C'est une poupée. Ça, je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Ou alors, il y avait quelqu'un à l'intérieur qui était déguisé en poupée. Je ne sais pas, mais mieux vaut détruire ces tissus. Et j'assigne balance des traits de feu en direction des tissus, des chiffons qui restent. Dans le sous-sol, dans la cale, les grattements vont s'être arrêtés. Mmh. Pelgar va entendre des pleurs. Oh, putain, c'est pas fini l'exorcisme.
Non, je me doutais qu'elle était pas morte. Enfin, tu vas entendre des pleurs, bien sûr, dans un endroit obscur de la cale. Sinon, ce serait trop facile. Oui, bien sûr. Que fais-tu? Je vais lancer zone de vérité J'ai une question. Est-ce qu'il y en en a, direction des pleurs. je suis désolé, est-ce qu'il y en a pour long encore ou pas du tout? Non, Je non, suis en train non. de. Non, il n'y en a pas pour long. Ça marche. Je lance zone de vérité dans la direction où j'entends les pleurs. Et donc, j'interpelle celle qui pleure en disant Régilna, c'est toi? Oui, c'est moi. Est-ce que tu nous veux du mal? Plus maintenant. Pourquoi voulais-tu du mal à l'équipage? Lorsque je suis revenu en ville après que Joke m'ait fait du mal, j'ai fait un pacte avec un démon. Si elle est con comme ses pieds aussi. Et ce démon, pour s'assurer que j'aille au bout du pacte, m'a mis à disposition deux poupées qui étaient non seulement censées être mes alliés, mais également les gardiennes du pacte. Et quand j'ai voulu leur faire comprendre que l'histoire était terminée, elles ont réussi à me convaincre, ou du moins elles m'ont forcé, à ce que elles puissent avoir la chance de passer à l'action. Pour cela, il a fallu que je donne mon âme au démon. Très intelligent de ta part. Et maintenant, je suis bloqué ici, dans ce bateau, à tout jamais. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, cette meuf. Non, c'est sûr. Mais j'ai pas compris pourquoi elle était bloquée sur le bateau. Parce qu'elle a plus d'âme, du coup, je suppose qu'elle doit être liée au bateau ou une connerie comme ça. Éventuellement, Belgar la questionne sur ça. D'accord. Je n'ai plus de corps. Je n'ai plus de vie. Il ne reste plus que mon âme ici, et qui appartient du coup à la fois au bateau et au démon. Ok. Mais si tu veux, on peut mettre fin à ta vie si ça peut te soulager. C'est un peu ce que j'avais envie de lui proposer. C'est gratuit, ça paie pas de mine, mais ça peut te faire du bien. Je suis déjà morte. Ben non, là t'es à moitié vivante là. On peut t'aider à. Hop! Nickel! Hop, tout va bien! Finito! Pipo! Qu'est-ce qu'on pense? Je ne pourrai pas me laisser faire. Je serai obligé de me battre. Bon, tu te battras pas longtemps, t'inquiète pas. Ça vaudra. On est en.
On est tous là ou pas? On est 50 sur le navire, on te tourne tous chacun un coup de hache, je t'inquiète pas, ça va vite passer, hein. Tu peux rien sentir passer. Non, normalement, il n'y a que Pelgar, mais j'avoue que depuis un moment, je suis en train de répondre à Garrok. Ah merde. Est-ce que à force, on n'a pas fini par le rejoindre quand même? Moi, personnellement, je suis à l'extérieur avec mes hommes et le loup-garou. Oui, parce qu'il y en a un quand même. Qui, je pense. Il va peut-être avoir du mal quand même à se contrôler tout de suite. Tu veux que je le perçoive ou... Ouais, je veux bien. Est-ce que j'ai le droit à un avantage du fait qu'il a fait la méditation et que je lui donne des conseils de méditation qu'on a vus avant? Oui. Oh bah putain. Bah c'est sa première fois, hein, tu sais. Ouais. Pas facile la première fois. Du coup, si, il va y arriver, mais il va rester. Bah, je reste avec lui et par contre, je mets mes hommes en sécurité, c'est-à-dire pour éviter que les équipages tentent de l'attaquer. Voilà, c'est un petit peu comme Harry Potter quand il passe à travers les poutres. Ça met du temps avant qu'il revienne à lui. Du coup, effectivement, comme il se passe ça, je pense que toi, Garrok, tu vas avoir facilement accès à la cale. Sachant que l'équipage de leur côté vont pas vouloir passer à côté du loup-garou. Et vont se tenir près d'une. Bah de la chaloupe, parce qu'il n'y en a qu'une, prêt à partir. Ils sont pas dans la chaloupe quand même, hein, mais ils sont pas loin, prêts à monter dedans. Il n'y a que le capitaine qui reste à la barre et qui la tient en regardant bien en ta direction, Jacine. Hein. Oui, j'ai bien compris. Hein. Donc si tu veux, Garrok, effectivement, tu peux descendre en sous-sol où tu vois effectivement Pelgar qui parle avec quelqu'un dans l'obscurité. Ok. Et sans doute que tu arrives au moment où effectivement où tu vois la jeune femme qui dit qu'elle est déjà morte. Et que je lui propose gentiment de l'aider. Voilà. Et elle vous dit, bah, si vous voulez, essayez. Bah je vais sortir ma lance et Bah je vais dire tu veux pas lui dire de s'approcher un peu? Ah bon? Ça veut dire de s'approcher. Bah elle va être obligée de vous attaquer de toute façon donc Elle est obligée. Mais si on semble pas menaçant. Bah disons si que on est... c'est. Bon, je vais le faire rapidement pour parce que j'ai pas envie de le faire en RP mais parce que ça te... compliqué pour mes petits neurones mais elle va vous expliquer que son apparence actuelle est appartient au démon et que du coup elle est obligée de vous attaquer si vous cherchez à lui enlever son âme. Ah mais t'inquiète pas, on va rien chercher du tout. Approche-toi, on va te raconter une petite histoire. En vrai, Pelgar ne pourra pas contenir sa colère d'avoir été berné et surtout d'être en train de parler à un suppôt d'un démon, je sais pas quoi. Oui. Donc voilà, il attaque sans transiger. Je vous laisse refaire un jet d'initiative à vous deux. Aïe. Alors que si jamais tu avais été assez patient, tu l'aurais amené à venir. Voilà. Mais le RP m'oblige à faire un certain nombre de choses. De toute façon, on serait arrivé là quand même. Hop. Garrot, il est motivé. Hein. Oui, je vois ça. Ah ben. Quand et il faut tabasser. Du coup, Pelgar, t'as fait combien? J'ai fait 2. Ok. Motivé aussi. Oui. RP, hein.
Voilà. Alors, bah c'est Garrok qui va commencer. Bon, c'est incroyable ça. Surtout que tu as une arme magique. Oui. Allez, gros tapis. Boum, boum, boum. Je me mets en rage pour la deuxième fois. Voilà. J'ai tapé trois fois. Est-ce que j'ai tapé trois fois? Non, ça l'a fait deux Non. fois. Une fois de plus. Allez, hop là. Oh! J'ai fait un coup critique! Ouais, Ouais, mais alors les dégâts ils sont pas là. Alors, Attends, attends, 10, attends. 26, 26, Est-ce que j'ai pas un truc qui fait que mes critiques font quelque chose là, non? 35, 37, On va voir. 37, 37, 40, 42. Ça fait 42 points de dégâts, c'est déjà pas mal. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Bah du coup tu fais rien d'autre. L'âme en peine, du coup, puisque tu joues à ça. Elle va essayer d'absorber ta vie. À moi? Ouais. En toucher, elle a combien? En toucher. Elle aime bien Je toucher peux. l'âme en peine. Je vais utiliser une réaction Ok, de vas-y. protection. Oh, elle me fait 3 pour me toucher. Bah, c'est 12, hein. Attends, j'ai pas mis de bonus. Mais attends, Bah, c'est quoi la même. réaction? Protec. Protection, tu lui rajoutes plus 2 en CA, c'est ça? Non, je. C'est censé imposer un désavantage sur l'attaque. Possible aussi. C'est un style de combat, hein. Paladin, style de combat, ouais, protection, protection. Ah oui, ça donne des avantages à l'attaque, ok. Ouais, bon, on va garder le 3, hein. Trois plus 6, 9, non, bah 9, ça touchera pas Garrok. Non, ça ne touche pas. Pelgar, c'est à toi. Bah, je l'attaque de ma lance. Vingt-deux pour toucher. Ça touche. Je vais utiliser châtiment divin. Tu m'étonnes. Yeah. Ok, donc il y a 5 dégâts de lance. Et au niveau du châtiment divin, il y a un truc que j'ai pas réussi à comprendre en disant rapidement là. Divin, tu dois avoir Ah pas oui, mal il faut utiliser un spell slot pour faire ça. Et je peux utiliser des spells level plus haut. Ok. Donc je peux utiliser un slot de niveau 2. oui. Et il y a éventuellement un D8 si c'est mort-vivant ou démon. Est-ce que cette créature est considérée comme un des deux? Oui, mort vivante. Ok, donc ça fait 4 D8. Le MJ en sueur. Oui, c'est un peu ça. De toute façon, elle va mourir. Plus vite elle meurt. Ok, donc l'historique il est où maintenant? Parce que j'ai tellement balancé là que. Ça doit être marqué sur ta fiche de toute façon. Puisque du coup, ça doit être programmé automatiquement. Touche à du monde divin, c'est pas dans les actions, ça doit pas être. Non. Le châtiment divin, il est où? Comment J'ai fait les jets les uns à la suite des autres et en fait ils ne gardent pas affiché assez de jets. Je sais pas, je pense qu'on peut les retrouver les jets que j'ai fait là. Ah, j'ai que les trois derniers, sinon j'en relance un. Oui, je vois, t'as un 6, un 3, un 6 et un 5. Ah ok, bah c'est bon, t'as tout. Ouais, j'en ai pas fait encore, mais.
Tu m'as dit sur les D8, là, il y a 20. le 5, 20. le 6, le 3 et un autre 5. 5? Ouais, donc ça fait... Si Fait t'avais... 19. Ouais. Et j'avais fait 5 avec la lance, donc ça fait 24. Pas génial. C'est bon, on l'a découpé, non? Bah, je sais pas. 2... Et... Non, pas encore. Oh, elle Pan. est résistante. Oui, elle est résistante, ce qui fait que la lance, elle est divisée par 2. Ah ouais. Elle est résistante au... Parce que oui, c'est des dégâts radiants, hein. Les dégâts de la lance... les dégâts du châtiment, oui. Ouais. Donc c'est pour ça que le châtiment, elle va le prendre de plein fouet. Est-ce que tu fais autre chose? Non, j'ai qu'une seule attaque. Eh ben... Malédiction. Attends. Ouais, j'aurais pu le faire avant la faveur divine. Est-ce que Châtiment à Diva, ça doit être une action bonus déjà, non? Je crois pas que ça soit considéré comme action bonus. Non, 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 c'est d'accord, c'est quand on touche une attaque de mêlée. Donc t'as encore la possibilité de faire une action bonus si tu le souhaites, si t'en as une dans le... Oui, bah, j'en ai une. Je vais faire une action bonus. Je crois que tu dois avoir peut-être un petit sort si tu l'as préparé, si tu dois... Qui doit faire Option, office d'attaque bonus. si ça te convient, je rajoute faveur divine sur l'attaque que j'ai fait là. Alors attends. Que j'essaye En de fait, j'étais te... un D4 radiant en plus. Bah ta faveur divine en attaque bonus, donc oui, tu peux. Plus 2. Plus 2, d'accord, bah non, ça n'a tu pas. J'aurais espéré que tu fasses un 4, mais... Mais du coup, bah c'est Garrok qui... Si tu arrives à me faire plus de 2 dégâts, Garrok, let's go, hein. Ah ben je tape, hein, on verra bien, parce que je finirai par le jeu. Oups, Ça touche. j'ai un peu trop tapé, mais je suppose que dans le lot, ça touche. Pas la dernière, du coup. Aussi la dernière touche aussi puisque 21 ça touche hein. Oui, Non, mais non, il a que mais 3 d'attaque. j'ai que trois attaques. Ah, pardon. Ok, bah, de toute façon les 3 vont toucher. Et comme il lui restait que 2 PV, hein, je compte pas, mais ça devrait aller. Ah, parfait. J'éparpille le mort vivant dans la cale. Ben en fait c'était une âme en peine, donc j'imagine que tu y vas comme un gros bourrin. Ah oui, moi j'y vais comme un gros bourrin. Voilà, tu y vas comme un gros bourrin sur cette âme en peine qui du coup a du mal à résorber tes coups. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas habituée ou pas, mais du coup entre le moment où elle s'est mangée la faveur divine et le moment que tu as commencé à la retaper, elle va vous avoir dit merci de m'avoir libéré. Oh. Et du coup, Oh. elle va disparaître. Ça a Pendant ce été temps-là, un il va plaisir. falloir que j'aille parler au capitaine, moi. Ouais. Et alors maintenant, ce qui est sympa, c'est que Pelgar a 10 pièces de platine qui sont pour lui. Ah bah non, parce que la naine est encore Non, non, vive. non. Tu as sauvé la naine, c'est vrai. Oui, mais en plus, pour moi, c'était à récupérer lorsque on mettait pied à terre. Donc, je les ai pas. Je prendrai que la moitié. Je suis honnête. Quelle honnêteté. Enfin bon, et j'espère quand même qu'elle est intéressante la naine, parce que moi, j'étais content d'avoir une nana qui savait faire du vaudou. L'autre, j'espère qu'elle est intéressante.
Ben, en fait, dans l'histoire, celle qui faisait des vaudous, en fait, c'est les poupées qui faisaient du vaudou avec la fille. Les rôles étaient un petit peu inversés. Ouais. Que faites-vous maintenant que le calme est relativement revenu? Oui, bah moi je suis en train de parler à mon homme pour essayer qu'il se rematérialise en humain. Tu n'auras pas encore réussi à le faire revenir à l'état normal quand en bas ils ont réussi à vaincre la mantène. Tu seras Bah encore avec. je prendrai le temps nécessaire qu'il faudra. Ok. Je prendrai le temps nécessaire qu'il faudra, c'était drôle comme phrase. Je présume que tout l'équipage nous regarde un peu bizarrement. prêt à se barrer, oui. Même si c'est en pleine mer, mais il vaut mieux se barrer en pleine mer que de rester à bord avec un loup-garou. Bon, une fois qu'il sera calmé, je demanderai à mes hommes qui s'occupent des blessés et surtout qui se protègent mutuellement. Ok. Et j'irai voir le capitaine. Ok. Enfin, j'irai voir d'abord Pelgar et Garrok en leur demandant tout va bien pour vous? C'est fine, c'est fine. Oui, c'est bon. Du coup, Réginald, je suis désolé, Pelgar, j'ai tué Réginald. À vrai dire, ce n'est pas vraiment le Clou à tuer, mais de toute façon, il n'avait rien à tirer d'elle. Malheureusement, mais c'est comme ça. Et son ami a pu être soigné. Oui, en effet, je vais aller la voir de ce pas pour lui indiquer que nous avons tué son ami. Je vais aller parler au capitaine. Du coup, tu vas avoir accès, Pelgar, à Regina, enfin Regina, à Vladana avant que Jacine ait accès au capitaine. Ouais. Du coup, Svadana te voit arriver. Bon, après, elle a senti un petit peu ce qui s'est passé, hein, parce que Garrok, quand il passe, ça se voit. Il fait un peu de bruit. Et puis Pense que le bateau a senti aussi, hein, quand il c'est a ça. couru. Non, c'est médisant. Du coup, elle va te regarder. Alors, elle va pas te sourire, hein, parce que tu viens quand même de défoncer ce qui était normalement de base sa meilleure amie. Mais elle va te dire, je respecte ce que tu viens de faire. Merci. Ouais, je suis désolé pour ton ami. J'espère que de ton côté, je n'aurai pas de mauvaises surprises de ce type à nouveau. Je ne m'y attendais pas, surtout. Comme vous, je pense. En effet. Je pense que c'était un démon. Non, 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 c'était un chat un peu énervé, quoi. Oh, t'inquiète pas, démon, il faut pas exagérer, tout ça, ce truc. C'est surfait, on dit démon, mais finalement, qu'est-ce que c'est un démon? En tout cas, si je puis me permettre, c'est Regina qui m'a transpercé en premier. Mais au moment où elle l'a fait, elle était déjà morte. Ils avaient déjà pris possession de son corps. Vous n'allez pas vous en vouloir de l'avoir tué. Oh, mais c'était un plaisir, n'inquiète pas. Je mets un petit coup d'épaule à Garrosh. Et je réponds à Zvadana que elle repose en paix maintenant, c'est ça le plus important. J'espère en faire autant
en vous accompagnant et en allant au bout de mon voyage, si bien entendu votre promesse est toujours d'actualité. Je vais prendre le temps d'y réfléchir et je vous redonnerai une réponse une fois à terre. C'est bien, ça me laissera le temps de récupérer un petit peu. Repose-toi bien. Du coup, elle essaye de se relever parce que, enfin, difficilement plutôt. Mais ceci dit, bon, bah, ça va quand même. Hein, tu l'as un petit peu soignée, donc elle y arrive. Et elle va remonter sur en haut. Elle n'a pas envie de rester dans la cale. Et elle va tâcher de parler aux autres un petit peu. Pendant ce temps, Jacine arrive au niveau de la barre où le capitaine te voit arriver avec des grands yeux effrayés. Alors que moi, je suis tout à fait sereine. Oui. Du coup, il. J'ai 129 ans. Et j'aurais jamais cru vivre ça de si bonne heure dans ma vie. Mais Vous c'est bien, ça. savez, nous avons pratiquement le même âge. Je n'ai que 128. Et vous avez déjà eu affaire à des poupées, des femmes vengeresses et des loups-garous avant? Oui, ainsi que des géants de nuages, des Diable gelé. J'avoue que ça ne me tente pas plus que ça. Je pensais qu'en étant en mer, le danger venait de sous l'eau et qu'il ne venait pas si souvent que ça. Eh bien, moi, j'ai 16 ans. Je dois avouer que je ne pensais pas que ce voyage allait présenter des dangers également. Vous voulez éventuellement que je vous gratifie d'une réduction au niveau du trajet, peut-être un petit remboursement? Ouais, ça peut être bon, c'est pas comme si on allait risquer notre vie, quoi, tu vois. Il y a aussi le sujet de votre membre d'équipage qui vient de décéder, pour lequel j'ai repris le contrat. Maintenant vous pouvez le garder. Il me semble que j'ai financé pour le rachat. Et tu t'es bien fait arnaquer, hein, d'ailleurs. Hop. Je vous propose de conserver, que vous conserviez cette somme Ouais. et que dorénavant nous sommes associés. En transaction? En trois actions. Oui, quand vous dites associé, si nous devons faire des transactions avec le Grand Nord, vous voulez avoir un pourcentage? Oui, c'est bien ça. Ok. Incroyable, t'es un génie. Très bien. Nous allons. Je sais pas trop ce qu'on fait dans ces cas-là.
Parce que du coup, soyons bien d'accord, il n'y a plus besoin de procès. Je pense qu'effectivement, on peut se... On peut considérer que le problème est résolu. Je crois qu'avec les orteils dont mon compagnon a joué, a dû Oui, porter préjudice. je pense qu'il a compris la leçon et qu'il ne recommencera pas. Oh, on va vraiment le laisser partir? Ok, d'accord. Bon, il n'y a pas de souci. J'ai perdu un jouet. Tu as encore le jouet le temps du voyage, Garak. Ah oui. Même si je suis pas là pour le jouer, pour le perdre. Ah, merci. Trop bien. J'ai trop hâte. Coucou, t'es encore en jouer jusqu'à la fin du voyage. Voyez-vous, si vous connaissez des personnes, j'aimerais que nos voyages soient discrets, si c'est possible. Non seulement que le voyage soit discret, mais si éventuellement nous pouvions faire le ménage à bord et faire en sorte que tout ce qui s'est passé ne soit pas révélé à quiconque. Ça me va, mais que diront vos hommes? Je vais leur accorder une petite rallonge. Pour qu'ils tiennent leur langue. Moi, je propose qu'on leur coupe la langue. Ils n'ont pas besoin pour servir d'esclaves. C'est dommage qu'ils t'entendent pas, parce que je pense qu'ils seraient d'accord. Aurais-je leur en toucher des mots, deux mots? Oui, mais surtout ne les encouragez pas à À parler. parler? Voilà. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais juste leur dire que si j'entends que des rumeurs persistent à notre sujet, que je saurai les retrouver et leur faire payer leur discrétion, leur indiscrétion. Ah, dans ce cas-là, je vous encourage, moi, à le faire. Allez-y, Je vois qu'on parle la même langue. effectivement, lorsqu'on parle de ce genre de sujet et de la façon dont vous voulez l'interpréter, moi, ça m'intéresse. Et je présume que la petite affaire avec l'un de mes gardes reste entre nous. Ça reste entre nous. Et ça pose un souci. Savoir que sur ce bateau il y a eu loup-garou, viol, peut-être fantôme, démon. Niveau client, ça risque de faire tache, et au niveau recrutement, ça risque d'être pire. Donc je préférerais que personne ne soit au courant. Et que l'équipage du coup se la ferme. Je vois. Je suis désolé, il va falloir que j'aille, que je me déconnecte. Oui, mais je pense qu'après on Je vais vous peut laisser, je vous embrasse. continuer. Ouais. Passez une bonne nuit, bisous, bisous, tchou, Bonne nuit. bonne nuit, Salut. Garok. Bah, du coup, je serais ravi de changer avec vous. Très bien, très bien. Et comme nous arrivons demain, je dois vous avouer que j'ai un petit peu hâte. Il nous reste combien de temps, Milan? Là, personnellement, j'ai envie de dire 15 jours minimum. 15. Oui. Si ça vous dérange pas, le temps de respirer un petit peu. Mais après, si vous souhaitez plus, personnellement, si vous pouviez rester genre 3 mois là,
Malheureusement, je ne crois pas que la guerre en Alarion attendra sa durée. Oui. Notre amour. Et qu'y a-t-il à faire à proximité de Milan? Eh bien, vous avez une diversité de clans humains avec qui vous pourriez faire commerce. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'action comme vous le faites à la frontière avec le Grand Nord, vous pouvez aller un petit peu plus au nord de Milan et peut-être trouver des créatures à affronter. Et des clans à recruter, est-ce qu'il y en aurait? Vous pouvez essayer, je ne suis pas sûr qu'ils soient très favorables. Ils ont a priori fait foi de non-agression ni envers Alarion, ni envers ceux qui sont au nord, ni envers personne d'ailleurs. Mais vous pouvez essayer. Ce sont des gens qui sont facilement attiré par les richesses de la nature, qu'ils n'ont pas chez eux d'ailleurs. Je vois. Entendez bien, mademoiselle, que je ne parle pas de plaisir de la chair, même si ça en fait éventuellement partie. Oh, j'ai bien compris, vous inquiétez pas. Ils apprécient des produits de la terre exotiques. Voilà, du bois. Enfin, du bois, ils en ont quand même suffisamment, mais si vous voulez leur en couper un petit peu d'avance, histoire que, voilà, de la nourriture, des mets délicats, du vin, des métaux. Et pensez-vous qu'on aura des informations sur la disparition? Il est au courant ou pas? À Milan, je pense que le bateau que vous poursuivez est certainement passé par là s'il a voulu traverser vers l'ouest. Je pense que c'est trop difficile pour quiconque de traverser en plein milieu l'océan qui se trouve à l'ouest. Et connaissez-vous un certain Satar? Un certain Satar. qui est censé être Un contact de la confrérie. confrérie de Baran. Oui. Ouais. Vous le connaissez? Ouais. Et où je peux le trouver? Vous pouvez tenter vos chances soit sur les rives comme celle du nord où je vous amène, ou alors un petit peu plus au sud au niveau du Yilin ou du Grand Melin. Oh, je sais qu'actuellement il est plus sonore. Je sais qu'il n'a pas forcément de favoris au niveau des destinations, mais si on vous l'a dit, très certainement que vous pourriez le croiser là-bas. Personnellement, je ne l'aime pas trop, mais bon. Et pourquoi donc? Quelle réputation a-t-il? Oh, vous savez, ça reste un mec qui vient de l'Istad. Il a beau être loin de la capitale, ça reste quand même un bourge. Et vous savez, lorsqu'on est à la fois pirate et à la fois bourge, Je vois. nous sommes quand même J'aime. beaucoup plus simples, nous, dans le Norven. J'ai quand même envie de le recruter dans la Wildfire en tant que
que pirate intérimaire. Bah, disons que ça peut toujours servir d'avoir une marine à la Wildfire. Oui, effectivement. De toute façon, je suis pas sûr qu'il puisse te dire non à quoi que ce soit hein, après ce qui vient se passer. Ah, ça veut dire que je peux le recruter? Je peux tenter de le recruter? Qu'est-ce qui se serait passé sur le bateau si toi et enfin si toi, tes gardes et Pelgar n'avaient pas été là quand les poupées sont arrivées? Je pense que son bateau serait un bateau fantôme actuellement. Donc il vous doit une petite faveur. Et pas qu'une. Ouais, sauf qu'il va falloir que je prévienne un peu les hommes. Capitaine Partabas, avez-vous un endroit où nous pourrons discuter en privé? Oui, bien entendu. Mais pour éviter toutes les oreilles, je vous inciterai à le faire quand nous serons à terre. Je ne sais pas, Très bien. vous m'avez l'air d'être totalement grave lorsque vous me dites cela, ce qui nécessite visiblement une confidentialité absolue. Effectivement. Donc il vaut mieux qu'on attende d'être au sol. Hop, Edgar, tu l'as le sort, zone de silence ou pas? Zone de silence. Ouais. Je sais pas si ça existe pour les. Je crois que c'est silence, mais. Non, non, j'ai pas. Ah, tu vas pas préparer. Ah non, il l'a pas. Non, il l'a pas. C'est pas pour les paladins, c'est pour les prêtres ou les bardes. C'est pour les bardes, les clercs et les rôdeurs. Non, hop, hop, du coup, rôdeur. Ah, peut-être. Faudra demander à Farmia. Effectivement. Et La zone de silence, ça le fait pas que. Ah, il n'y a plus aucun bruit même. Enfin, ça, on peut pas parler dedans. ah non, on peut pas parler dedans, c'est vrai. Ouais, c'est pas adapté. Non. Bah du coup je vais attendre d'être sur la terre ferme. Et vu l'heure, je vous propose de rester là. Ouais. Bah après on peut faire un petit RP écrit hein, si tu veux. Oui, pas de problème. Mais là, Ok, du coup, bah. vous avez fini le petit aparté event de la table, qui était assez axé Halloween. Oui, c'est vrai. Alors, Pelgar, tu sais ce que je vais leur proposer. De quoi tu Le parles? joueur doit s'en douter, le PJ, pourquoi? Proposer quoi à qui là? Non, je suis désolé, j'arrive pas, tu vois. Je vais proposer au capitaine Bartabas et à son équipage de faire partie de la Wildfire. Oui. Mais tu sais, la Valfire, c'est la première fois que j'entends ça. Mais la question c'est. Est-ce que tu vas vouloir qu'ils endurent la même chose que les gardes? Ils n'auront pas le choix. Ouais. Ça la question. Ce sera bien de discuter un peu de ça. Ils auront malheureusement pas le choix et du coup Ah, ils auront moins peur. c'est sûr. Par contre, oui, c'est effectivement, il faudrait pas qu'ils arrivent à Gerndal un soir de pleine lune. Bah, je pense que je vais les faire. C'est tous les combien de temps la pleine lune? Je crois que sur Alarion, c'est assez large, ça se compte en. C'est très large. Il me semble que c'était 6 semaines, un truc comme ça. Oui. Deux pleines lunes. Une, deux,
Ouais, 6. Ouais, donc même si je les contamine, il faudrait que je les conserve avec moi pendant au minimum 7 à 8 semaines, quoi. Ouais. Bah 6 semaines, hein, parce qu'on est plus proche de la 5 semaines et demie que 6 semaines. Et du coup, vous... cendres de l'hiver. Ah non, vous avez encore le temps avant votre prochaine pleine lune. Vous avez encore du temps. Ah. Vous êtes là. Ah, j'avais dit 4 jours. 1, 2. Bah, normalement, quand on va poser pied à terre, ça va être le moment où on va être en pleine lune. Exactement. Bah, c'est simple, vous êtes le 28 Messidor. Non, le 26 Thermodor, pardon. Et le mois d'après, c'est le Fructidor. Et la pleine lune, c'est le 3 Fructidor. Donc c'est dans 4 jours. Ouais, 4 jours. Du coup, on aura peut-être le temps de se préparer. Sachant que je peux vous faire déjà sauter une journée puisque vous venez de déjà bien la consommer. Celle d'avant. Hop, donc 3 jours. Et ça inclut les 3 jours de voyage, là, déjà? Et ça inclut les 3 jours de voyage. Vous allez arriver au soir du troisième jour, donc vous allez juste mettre pied à terre, faire les présentations avec les autochtones, Oui. et une fois que ça sera fait, vous irez plus ou moins bien dormir. Pleine lune ou pas, vous n'allez pas forcément bien dormir parce que vous êtes dans un peuple que vous ne connaissez pas et vous ne savez pas ce qu'il vous réserve, donc... Je pense que vous n'allez pas bien dormir. Bah, de toute façon, on va être dans un camp, donc on va installer notre camp à l'extérieur de leur village. Hein. Ça, vous verrez bien. Okay. Parce que vu la synthèse du truc, je suis pas sûr que vous serez à l'extérieur, mais bon. Ok. Et puis j'ai un autre bateau qui va m'attendre aussi. Oui, le grand, non? Celui d'Adarion Storm, non? Bah non, celui celui Du roc. de du Rock, ouais. Oui, exact. Avec mon prétendant. Ouais, il y a une autre histoire qui arrive, ouais. Voilà. Le prétendant qui arrive là où tu vas être. Ouais. Ouais. On va voir ce que ça va donner, hein. Est-ce que Pelgar va célébrer l'union? Réponse le 30 juin. Ce 30 juin, c'est aussi tard que ça? Ouais, bah, Non, de ce que d'accord. je vois, il Ok. faut être parti avant. Ok. Ok. Ça va être plus tôt si l'agenda change. Oui. Oui. Il y a peut-être des maîtres secrets entre temps. Oui. En sachant que potentiellement je fais la dernière partie des Boys vendredi prochain. Ah, donc je vais récupérer des vendredis. Bien. Oui, mais en contrepartie, je serai disponible un dimanche sur deux. Ah bah oui, du coup, oui. Ah bah oui. Ok. Donc moins disponible le dimanche, ok. Ok. On va faire avec. De toute façon, sur les tables, je crois qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont disponibles le dimanche. Ça devient de plus en plus rare le dimanche. Du coup, ouais, les cendres d'hiver, il y a le 30. Majestueux visiteur le 22. Septième compagnie. Ah, ils vont peut-être croiser la Gar Jacine Garrock et la septième compagnie. Hein. Ouais, il va y avoir un croisement du coup la semaine prochaine 7ème compagnie Dragonstorm, puisqu'on veut je vais essayer de faire la partie ensemble.
J'ai réservé ma partie, moi. Et je pense que effectivement, la session d'après, ça sera un rassemblement 7e compagnie les cendres de l'hiver. La 7e compagnie va faire beaucoup de croisements. Et Ouais. Arwin n'en a pas fini avec les gens d'Alarion. Non, effectivement. Bah, il n'y a pas Erwin dans la 7e compagnie. Ah non, c'est Barakas. Pardon. C'est Barakas. Barakas, Bah. par contre, il n'y a pas les gosses soleils. Hein? Les brises soleil, ils jouent pas tout de suite, hein. Non, non, puis en plus, je suis pas sûr que tu sois le seul à avoir rejoint, je crois que Steve aussi. Et Steve, il peut jouer que le week-end, donc là où les brises soleil étaient encore la dernière table que je pouvais jouer un mercredi ou un jeudi, enfin un mercredi, bah, du coup ça va aussi devenir un vendredi ou un samedi. En fait, tout le monde veut le vendredi ou le samedi maintenant. D'accord. De toute façon, tu regardes dans les disponibilités, le sondage, le truc est assez clair, hein. Vendredi, samedi, le reste, c'est un peu Oui, mais compliqué. moi je. Oui, du coup, Sky, elle va pas jouer tout de suite, hein. Ouais, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ah, elle va jouer que le 28 août. Ouais, 28 août, oui. En 28 août effet, pour... pour l'arrivée de Sky.